Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour une vidéo sur New World et aujourd'hui je vais vous parler et vous montrer surtout la route de la run du chest run du coup qui se situe à Île des Lames. Donc tout d'abord, vous prenez le TP, le sanctuaire de l'amiral pour vous y rendre. Ensuite, vous vous dirigez vers le pont juste ici et vous traversez le pont. Donc là, c'est le TP, le pont est là. Oula. Et vous traversez. Donc, je vais pas trop parler, je vais surtout vous montrer comment ça se passe. Avec tous les petits coffres intéressants à prendre. Pourquoi cette run là? Parce que dans cette run, il y a pas mal de coffres et surtout que ça donne des doublons. Donc, les doublons, ça vous permet d'avoir du 710 facilement. Qui peut être du coup ensuite upgrade avec la noix de coco en 725. Et pourquoi pas prendre directement du 725 avec la noix de coco. Faites attention, les coffres que vous prenez, c'est par rapport à votre stuff actuel. Donc si vous êtes plein, si vous êtes plutôt force, ça va prendre du stuff force, etc. quand vous ouvrez. Donc faites quand même attention. Donc la petite run très simple. Il y a des gens qui sont venus juste avant, donc je pense qu'il n'y aura pas trop de mobs, sauf s'ils n'ont pas tout clean. Donc vous entrez en village droite. Oh, du coup j'ai rattrapé. Du coup la petite maison à droite, ensuite vous longez tout le long jusqu'au bout. Ça faut pas oublier parce qu'il y en a qui oublient complètement ces deux coffres là, donc l'élite plus celui-ci, ils montent directement. Qui est un peu bête. Donc là, au début c'est simple, étage par étage. Vous arrivez ici, petite maison. Rien de bien compliqué. Hop. Si vous faites bien votre rota, normalement vous avez à peu près entre 5 et 600 de doublons plutôt. En espérant que j'ai pas accro celui-ci. Faut faire attention parce qu'il y a des gens, il y a des gens qui aggro tout et n'importe quoi ici. C'est un petit peu chiant, on va dire. Donc là, il y a juste deux coffres. Enfin une caisse et un coffre. Donc je vous montre la run, donc vous pouvez mettre pause quand vous voulez. C'est surtout pour les personnes qui auraient du mal à se repérer et surtout qui voudraient voir un petit peu comment ça se passe avant de suivre un bus. Parce que ouais, les bus, faut pas se cacher, faut pas se le mentir plutôt. Ils sont quand même assez rapides. Là, je suis pas sûr de pouvoir prendre celui-ci en haut. Je vais voir si j'y arrive ou pas. Parce que là je suis pas avec le gros de la troupe. Faut faire gaffe, il y en a qui peuvent taper à travers avec les grenades. Ok, il m'a loupé. Ensuite on jump et on traverse le pont. Je vais quand même prendre sécurité. Petite bouffe. Bon, je peux pas aller moins vite étant donné que je suis pas avec le groupe. Si mon... Ils étaient peut-être full, ils m'ont pas invité. Mais c'est pas très grave pour vous montrer, c'est assez simple en soi. Sauf que lui il va m'aggro jusqu'au bout. Non, non, c'est bon. Donc une fois arrivé ici, vous ne descendez pas directement. On commence la muraille. Il n'y a rien à droite, c'est à gauche. Une fois que c'est fait. Bon là j'ai de la chance, j'ai un groupe qui clean tout. Parce qu'il y a des groupes qui clean pas du tout. Vous vous retrouvez souvent dans la sauce. Quand c'est le cas. Donc voilà, on saute, on prend ce coffre, on va en dessous les petits pontons en bois. On prend ce coffre, on continue et on fait demi-tour. On continue, on prend ce coffre tout droit. Ensuite demi-tour, muraille en face. Faites gaffe, là il y a un explosif, je vais l'attendre parce que lui... Il va péter. Il va y avoir du mort. Non. Donc la petite réserve. Donc sur la carte je suis ici pour le moment. Bon, normalement la partie droite par là on ne la fera pas du tout. Je vais vous montrer pourquoi après.
fois-ci, il y a un coffre à droite et à gauche. Sur la seconde partie de la muraille. Là, on suit. Hop. On saute. Pour l'instant, on ne sort pas. Je suis récap quand même. Ok, c'est bon. On va aider à Clina. Donc du coup, on n'est plus sur ce côté de muraille, on est sur l'autre côté, qui était en face, on est passé sous le ponton. Là, on monte. Sur certaines runs, faites attention, bon, suivez bien votre groupe. Il y en a qui préfèrent commencer par la grotte là-bas et finir par le haut. Nous, la plupart du temps, c'est le contraire. Je sais pas si c'est un gain de temps de faire l'un ou l'autre. Honnêtement, de toute façon, faut faire les deux. L'avantage de commencer par le haut, c'est quand vous allez terminer en bas, quand vous sortez de la ville directement. C'est le petit avantage que je pourrais dire. Voyez, tout le monde ne clean pas dans leur groupe. Ce qui est assez dommage. Surtout les grenadiers, hein, ils sont quand même assez chiants. Et je pense que là on va le clean, hein, honnêtement. Voilà, c'est que des élites 2. Des élites 2. Enfin, j'appelle 2, 3 et 4, en fonction de la difficulté. Avec les barres. Donc les élites 2 sont assez faciles à gérer en solo. Donc là, on se retrouve par rapport à tout à l'heure tout en haut. Bon, si cette vidéo vous intéresse, faites-le savoir en commentaire. Comme ça, moi, je ferai d'autres routes de farm. Enfin, sur les chess run. Je peux tous les faire pratiquement, sauf si c'est juste un boss comme Khepri ou Scorpion. Ça sert à rien que je fasse une vidéo juste pour ça. Cette zone est intéressante pour les doublons, mais aussi parce qu'il n'y a pas besoin de prérequis pour ouvrir les coffres. C'est une zone où les coffres, il n'y a pas besoin de glyphes. Comme sulfure par exemple, ou de symboles, là, je ne sais plus c'est quoi les marques de la contrée, je sais plus c'est quoi leur nom exact, pour ouvrir les coffres aussi. Là, je crois que j'ai tiré trop loin. Là. Voilà, ça le trésor, faites attention à l'or, quand vous marchez dessus ça vous fait des dégâts. Vous allez bien le voir ici. Peut-être pas ici mais... Est-ce qu'il y a de l'or maudit ici? L'or maudit n'est pas encore là. Rien dit. Ouais. Parce qu'il y aura de l'or maudit dans la caverne. Donc là on se retrouve en haut. Où je parlais tout à l'heure. Donc là, côté gauche, on saute. Voilà. Et on arrive direct dans la caverne. Voilà. Ça, c'est les gens qui se jettent sur les coffres à chaque fois. Ok. Donc là, pas mal de minerais stellaires. Et comment ça s'appelle ce minerai là? De mithril. Allez les gars, faut clean. Je vais la ramener, je vais forcer à clean avec moi parce que...
Donc il faut faire gaffe l'or, vous voyez, ça tape puissant, partique. Donc là sans healer cette zone est un petit peu chiante là à la droite. Donc je vous conseille quand même d'aller avec un heal de préférence. Donc on descend tranquillement. Et une fois après ce coffre, une fois arrivé en bas, vous faites le tour par la droite, par la gauche, ça ne change strictement rien. La plupart des gens ils font de ce côté-là. Peut-être pas réflexe. Oula. Qui font le mithril. Donc on fait le tour. Voilà pourquoi ils n'ont pas tué. Ils n'ont pas clean le canonnier donc. Donc à cause du feu ça sert à rien, on peut pas. On peut récupérer le coffre hein, quand il y a une zone de feu. Voilà, on continue. Alors, comme je vous ai dit, il y a beaucoup de coffres. Hein. Beaucoup de coffres, beaucoup de mithril à récupérer. Pas mal de métal stellaire aussi. J'ai pas le niveau donc je le fais pas pour l'instant. C'est rien. Donc voilà, là il y a une réserve. Et voilà, là on a fini la rotation, pas complète, hein. On a juste fini la rotation de comment ça s'appelle, de la grotte. Du coup on remonte et on ressort par où on est arrivé. Et du coup là on va sortir de la ville. Donc pour montrer vite fait, là on sort de la ville, on va se diriger vers le ponton en face, ici. Où je ping. Il y a juste 2-3 coffres à récupérer et ensuite on fera un demi-tour. Donc, le début jusqu'à ici, jusqu'à maintenant, était très simple à analyser, à faire tout seul. À partir de maintenant, il faut un peu plus savoir et suivre, surtout. Comme je vous ai dit, voilà, vous sortez en face. Petit tour, petit ponton en bois. On arrive ici. Là, il y a un tank qui est bien sympa à prendre tout le monde en aggro. Voilà, on prend ce coffre. Comme les aider. Je mets toujours un petit sort de feu. Ou ça dépend si je fais clash ou pas. Là, j'XP mon arme en même temps donc. Bon, j'XP mon arme, mais je suis quand même full intel. Hein. J'XP pas les armes en n'étant pas dans la bonne stat. Hein. Dans les zones HS comme ça. Donc là les deux coffres. On saute. On va sur le petit ponton. Le petit pont en bois. Hop, on fait ça. Et on a une petite caisse de ravitaillement. On va quand même les aider que tout le monde puisse prendre son coffre. Ensuite, on se dirige pas du coup sur la ville, mais un petit peu en diagonale, en direction du coup de la forêt ici. Donc je ping un peu parce que vous n'avez pas forcément, si c'est votre première run, bah, les icônes. Donc, juste avant d'entrer la forêt, à gauche, il y a un petit coffre. Ensuite, là, on va longer la gauche. J'espère juste qu'ils vont faire la même rota que je connais, parce que sinon, je vais avoir des soucis. Ouais, c'est bon. Vous allez à gauche ici. Mince, je pensais qu'ils allaient la ramener ici, mais non, pas du tout.
Alors. Maintenant, on suit le chemin. De terre, un peu en diagonale, du coup, encore. Et je vais vous montrer où est-ce qu'on se situe juste après le petit boss. Donc là, on se situe pile poil ici. Juste après l'icône, ici. Voilà. Comme ça. Ça vous montre un peu où on est. Là, il y a deux petits coffres. Enfin, un coffre élite et un coffre de ravitaillement, je crois. Enfin, une réserve plutôt. Donc là, on va en haut. Toujours en diagonale. Direction. Le bateau. Ce côté-là, on le fera sûrement pas. Enfin, je vais voir ce qu'ils font exactement, mais normalement. Ah, il part par la gauche. Pour moi, faut pas partir à gauche. Enfin, il y a quelques coffres élites à récupérer. Vous pouvez le faire si vous êtes en compagnie. Vous passez par là-bas, vous revenez, vous repassez par là. Pour moi, ça fait perdre au moins 10 minutes. 15 minutes, peut-être, même. Pour le peu de coffres qu'il y a en plus. Je trouve pas très. Bah, je trouve pas ça très rentable. Donc ensuite, en diagonale par là-bas, direction cimetière. Petit coffre sur la route. Longer la plage tout le temps. Pas grand-chose d'autre à faire. Je vais quand même attendre les gens. Ok, donc on traverse la forêt. Là, il n'y a rien, il n'y a pas de coffre sur la route, hein, à part celui que j'ai pris tout à l'heure. Donc là, on arrive au ponton en bois ici. La réserve, et là, on va arriver dans le territoire avec un peu de spectre. Ils appellent ça comment, eux? C'est les fantômes de... Attendez. Spectre, hein, c'est bien des spectres. Donc ouais, là faut bien les clean parce que c'est très chiant. Je m'écarte un peu parce qu'il est explosif. Hein. Pensez toujours aux autres un peu aussi, hein. Enfin, si personne le fait, ça sert à rien. Deuil son coffre, je pense. Je suis pas un main bâton de feu, hein, je vous préviens. Faut pas regarder le gameplay. Donc là, on arrive par ici, on sort du ponton, on arrive. Au niveau du cimetière. Et ça va être la fin de la run. Ouais, comme par hasard. Personne n'a kill ça. Surtout que ça prend honnêtement 3 secondes. Hein. C'est pas. Pas des élites, pas des boss. Donc on arrive ici, coffre là, coffre en face, et il me semble que c'est terminé. Ah, et aussi ce petit coffre là. J'ai failli l'oublier. Ah, c'est vrai qu'on peut pas utiliser la monture. Normalement, vous allez au TP et ensuite c'est fini.
petite rota qui vous emmène d'un TP à un autre. Et voilà. Donc en tout cas, j'espère que cette route vous aura plu. N'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Si c'est le cas, je ferai les autres, qui sont les plus compliqués. Comme les contrées sauvages, comme Trib, Zurvan. En tout cas, je vous souhaite à tous un bon visionnage, un bon jeu et à plus tard.